chiffon, bouteille, sac. C'était pendant la crise. Et on entendait la voix, bien avant de voir la vieille charrette et le vieux cheval, fatigué et encellé. Puis on entendait les sabots, clop, clop, clop. Puis on voyait le cheval et la charrette. Et on avait toujours l'impression que c'était le jour le plus chaud de l'été. Oh, ce cheval était si fatigué. Des filets de salive dégoulinaient là où le mors s'enfonçait dans la bouche. Il tirait un poids accablant de chiffon, bouteille, sac. Je voyais ses yeux agrandis par la souffrance, ses côtes saillantes, les mouches géantes qui tourbillonnaient et se posaient sur ses plaies, à vif. Parfois, un de nos pères criait : Hé, pourquoi vous ne donnez pas à manger à ce cheval ? Espèce de salaud ! L'homme faisait toujours la même réponse. Chiffon, bouteille, sac. Il était incroyablement sale, pas rasé, coiffé d'un feutre cabossé et crasseux. Il était assis sur une grosse pile de sacs et de temps en temps, quand le cheval semblait trébucher, il abattait son long fouet qui claquait comme un coup de feu. Une phalange de mouches s'envolait et le cheval repartait avec une secousse. Ses sabots glissaient et dérapaient sur l'asphalte brûlant. Et on ne voyait plus que l'arrière de la charrette et l'énorme tas de chiffons et de bouteilles, recouverts de sacs marrons. Et la voix de nouveau. Chiffons, bouteilles, sacs. C'est le premier homme que j'ai eu envie de tuer. Et il n'y en a pas eu d'autre depuis. Des sans-âme. Et le pire, la totale absence d'espoir qui les enveloppe, les recouvre comme d'un linceul. Pas supportable. On se lève, on sort, on arpente le trottoir, on longe les immeubles, on tourne le coin, on reprend. Par la même route. Songeant. Ces hommes étaient tous des enfants autrefois. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Il fait nuit et froid dehors. Thank you.
barres. Où les barmen en celluloïde servent des rires empoisonnés. Je ne peux jamais être. Thank you.
arbres mourront. Toute la végétation mourra. Les hommes irradiés mangeront la chair d'hommes irradiés. La mer sera empoisonnée. Les lacs et les rivières disparaîtront. La pluie sera le nouvel or. Les cadavres pourrissants d'hommes et d'animaux pullulent dans le vent noir. Les rares survivants seront frappés de nouvelles et hideuses maladies. Les plateformes spatiales seront détruites par le temps. Le manque de pièces de rechange. Fonctionne. On prend ce qu'on peut, on essaie de le garder et d'ajouter d'autres biens, si possible. C'est comme ça qu'une dictature aussi fonctionne. Seulement, elle a soit asservi, soit détruit ses rebuts. Nous, on se contente d'oublier les nôtres. Dans les deux cas, le vent est fort et glacial. Des gens claqués. Mutilé. Aussi bien par l'amour que par son manque. Des gens qui justement ne s'aiment pas les uns les autres, les uns sur les autres. Les riches n'aiment pas les riches. Les pauvres n'aiment pas les pauvres. Peut-être que s'ils s'aimaient,
qu'il veut sortir. Mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, reste là! Je veux pas qu'on te voie. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je verse du whisky dessus et tire une bouffée d'une cigarette. Et les putains. Et les barman. Et les employés d'épicerie ne savent pas qu'il est là. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir.